Salut! Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Mr. and Mrs. Grimm. Dans Tamouchiné. Dans Tamouchiné. Avec un gros retard, on vous dit bonne année 2018. Oui, bonne année, tous nos voeux, santé, voilà, amour, prospérité et tout ce que vous souhaitez en mieux. Voilà. Donc on vous souhaite que du bonheur pour cette année. Et avec un peu d'avance, on vous souhaite on vous dit Esgwasengez. C'est Yinayer, c'est le nouvel an berbère. Exactement, parce qu'on est algérien d'origine kabyle et chez nous c'est le 12 janvier. Voilà, c'est le 11. Selon le calendrier berbère. Donc la veille du 11 au 12 janvier, c'est le réveillon Yinayer. Voilà, c'est Esgwasengez. 2963 ou 64, 63. Je sais 63. Plus. On est nous on est en vie dans le futur. Ouais, 2900, c'est 63 je crois, oui, 63, oui. Donc, Esgwasengez. Esgwasengez. Ça veut dire bonne année en kabyle. Bonne année en kabyle. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo, on ne va pas parler d'un film précis, on va faire notre bilan. Voilà, de l'année 2017. L'année 2017. On va essayer, comme on a essayé de faire différent des autres, nos sorties cinéma, on les fait à chaud. Voilà. Direct en sortant du cinéma, dans la voiture, on parle du film. La plupart des critiques cinéma sur YouTube, ils font le top 10, le flop 10. Nous, on ne va pas faire ça. On va vous montrer notre liste. On vous dira le nombre de films qu'on a voulu voir, le nombre de films qu'on a vus. Et là, à côté, on vous montrera les films qui nous ont plu, qu'on a achetés. Voilà. Est-ce qu'on en a pensé? Parce que on en a vu des films. Même si dans les vidéos, on avait aimé. Mais avec le recul, on ne les a pas achetés parce que ça ne donnait pas envie de les revoir. Voilà donc une sorte de petit bilan. Ça reste personnel, ça reste toujours notre avis à nous. Donc, commençons par cette fameuse liste dont on parle assez souvent dans les vidéos. Donc ça, c'est la liste que je balade dans ma poche. Comme on peut le voir, il y a le mois, il y a les films, le mois, les films. Celle-ci, elle débute au mois de mai, parce qu'on avait commencé au mois de mai. Ouais, je fais comme ça, ceux qui veulent lire. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et au final, novembre et décembre. Alors, j'ai réimprimé au propre. Celle-ci, les films sont numérotés. Et j'explique après. Donc, je fais juste un petit passage comme ça, pour ceux que ça intéresse de voir la liste. Donc, depuis janvier 2017 jusqu'à décembre 2017, c'est tous les films qu'on avait prévu de voir. Et là, en vert, c'est tous ces films qui n'étaient pas sur notre liste, mais qu'on a quand même vus. Voilà. Donc, en bleu, c'est les films qu'on avait voulu voir au cinéma et qu'on a été voir. En rouge, c'est les films qu'on n'a pas vus. Qu'on a ratés. Et sur la fin, les films en vert, c'est soit des films qu'on a vus au cinéma, soit des films qu'on a vus parce qu'on a Canal+. Soit c'est les films qu'on a vus sur Hollystar, parce qu'on a un abonnement Hollystar, on a des films en streaming. Mais ce ne sont que des films qui sont sortis en 2017. Donc, si on se fait à la liste, on avait prévu de voir 62 films au cinéma. Et si j'enlève les rouges, vite fait, 1, j'aurais dû les compter avant, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 62, si j'enlève 14, donc 62 moins 4, ça fait 58, moins 10, 48. Donc en tout, on a vu 40. Sur notre liste 48 films au cinéma sur nos 62 prévus. Ça fait quand même pas mal. Et on a vu en vert 30 films supplémentaires. Donc on avait prévu de voir 62 films. Au final, on a fini avec 92 films. Ce qui fait qu'on a vu, j'ai dit 48, 48 plus 30, ça nous fait 78 films. On a vu 78 films de 2017.
Après, je crois qu'il y en a certains qu'on a vus sur Canal+ ou Hollystar que j'ai oublié de lister. Donc voilà, comme j'ai fait le défilement de la liste, c'est tout bon. Donc on va revenir. On va commencer par parler des films par eux-mêmes. Allez, on commence par les films d'action. Voilà. Donc on a John Wick. Tu peux montrer. Il y a John Wick 2 cette année. Et Atomic bien sûr, Blonde. Atomic Blonde, réalisé par les mêmes... pas le même réalisateur. Celui-là, c'est Chadesky, comment est-ce qu'il s'appelle ? Ils ont tous des noms différents. Et Atomic Blonde, c'est son pote. Mais c'est celui qui a réalisé Atomic Blonde, il a bossé sur John Wick. C'est un ancien cascadeur et ils sont décidés de faire... toi, t'as aimé lequel ? Atomic Blonde. Ouais, pourtant, t'avais pas l'air de l'avoir aimé sur la vidéo. Moi aussi. Moi, sur John Wick, je préfère le 1. Pas trop l'acteur. C'est l'acteur que j'aime. Mais le premier. Tu te rappelles de John Wick 1 ? Je me rappelle. Moi, sur John Wick, je préfère le John Wick 1. Celui-là, il était bien aussi, mais quand même, je préfère le 1. Mais des deux, je préfère Atomic Blonde. Pour moi, c'est Atomic Blonde. Je ne l'ai pas encore revu en VO, malheureusement. On n'a pas eu le temps. Mais je l'ai revu encore une fois. C'est Atomic Blonde pour ma part. Les films d'action. Ouais. Et John Wick, il y a un 3 qui va sortir. Je ne sais pas si c'est pour l'année prochaine ou 2019. D'ailleurs, la fin, elle montre qu'il y aura une suite. C'est officiel, il y aura un John Wick 3. Ouais, après, Atomic Blonde, ils ont mis une fin ouverte qui peut donner à croire qu'il y aura une nouveauté, une suite. On ne sait pas encore. Voilà, donc sur les films, les films d'action, Atomic Blonde sur John Wick. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu comme film d'action ? On a vu... Oui. Donc sur les films d'action, c'est ces deux, on met de côté. Les sagas. Les films à saga. Donc, non, on ne les montre pas encore. Je te pose une question. Si je te dis les films à saga, c'est... tu penses à quel film ? Style saga. Tu sais ce que c'est ? Tu peux me ridiculiser. Non. On essaie de faire une vidéo participative. Alors. Genre question-réponse. Je peux copier. Oui, c'est quoi une saga ? Une saga, tu l'as déjà expliqué, mais. Une saga, je même pense on peut dire crossover. Une saga, c'est quand il y a plus d'épisodes. Voilà, c'est des films qui sont sur le même thème ou sur le même univers. Par exemple, les sagas qu'on a vues cette année, il y a eu... On va montrer les films. Comme Star Wars, par exemple. Star Wars, c'est une saga. Parce que ça raconte plusieurs trucs. Pirates des Caraïbes, Justice League, le DC Comics Universe, le Marvel Universe, voilà. Les X-Men. Sauf que les X-Men, cette année, il n'y a eu qu'un film. Voilà, donc, les sagas... donc, sur les sagas, qu'est-ce qu'on a vu comme film cette année ? Donc, les sagas, cette année, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Logan, Les Gardiens de la Galaxie 2. Oui, Les Gardiens de la Galaxie, je l'ai prêté. Non. Il y a eu Alien Covenant. Non, ça, c'est Les Gardiens. Guardians, c'est le film russe. Pirates oui, des Caraïbes. Ah, j'ai adoré. La Momie. Qui va faire partie du Dark Merde, Wonder Woman, Transformers, Spider-Man Homecoming, voilà. Non, ça c'est autre chose, Thor Ragnarok, Justice League, Thor 3, il n'est pas sorti encore en DVD. Ah, c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on l'a pas. Il est top, oui. Donc, sur tout ça, alors, nous avons... Alors, on a Logan. Que j'ai bien aimé. Je le préfère à Logan 1. Wolverine, t'as voulu le voir, mais on n'a pas eu le temps de le voir. J'ai tous les films... Non, mais j'ai tous les films X-Men en DVD. Je les ai tous. J'ai les X-Men, les anciens, les nouveaux, Logan, les deux films. Ça, c'est le troisième. Il y a eu Wolverine Origins, Wolverine Combat de l'Immortel... Et celui-là, c'est le même qui a fait le combat de l'immortel, James Mangold. On a Wonder Woman. Voilà.
Transformers. Voilà. Et Spider-Man, que j'ai pas du tout aimé. Homecoming. Moi non plus. Mais sauf que oui, Spider-Man, je l'ai acheté parce que j'ai tous les Marvel en DVD. Et ça me dérange de ne pas en avoir un et de garder l'autre. Par exemple, Transformers, même si j'ai pas aimé le 5, j'avais le choix entre celui-là et Pirates des Caraïbes. Je l'ai pas vu, j'étais malade. Non, je peux te montrer la vidéo sur YouTube, on était les deux pour Transformers. Ah ouais? Ouais, c'est pas celui-là que t'as pas vu, c'est Alien Covenant que j'ai été voir tout seul. Ah si, 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 on l'a vu. Et Valérian, t'as pas été le voir. Ah si, si, je l'ai vu. Oui. Mais Pirates des Caraïbes, après le recul, j'ai pas beaucoup aimé. Oui, toi t'as aimé, moi j'ai pas aimé. Ouais, je l'ai bien aimé. Mais j'ai pris, bon, j'ai les quatre films, donc je préfère l'avoir. Pirates des Caraïbes, on le voit pas, mais derrière, j'ai le coffret de la trilogie originale. Transformers, malgré que j'ai pas aimé. Moi j'ai adoré. Toi t'as adoré. Mais il reste quand même bien. J'aime bien, il y a la légende du roi Arthur, il y a des dragons, il y a Excalibur. Mais j'ai préféré acheter ça que Pirates des Caraïbes 5. Est-ce que ça te donne envie de revoir Pirates des Caraïbes 5? Non. Le premier était meilleur. Voilà. Donc moi pour Pirates des Caraïbes, nous avons le coffret où il y a la trilogie originale. Ça c'est une édition spéciale DVD. Où il y a la trilogie d'origine, les trois premiers. Et en Blu-ray, j'ai la quadrilogie. C'est pour ça qu'on s'est vu les quatre films avant d'aller voir Pirates des Caraïbes. Mais le 5, il ne nous a pas plus emballé que ça. Ouais. Non. Pour Pirates des Caraïbes, je dis non. Mais Transformers, oui. Dans le DC Comics, on a eu deux films cette année. Wonder Woman. J'ai beaucoup aimé celui-là. Oui, et Justice League. C'est vrai que celui-là, il était bien mieux. Si jamais pour tout ce qui est DC Comics, ben j'ai le coffret Superman qui est là. Ça c'est la trilogie Dark Knight de Nolan. Ah oui, toi la trilogie de Nolan, t'as pas encore vu, t'aimes pas le Batman de Nolan. Je t'ai essayé de montrer le 1, t'étais pas trop emballé. Mais Wonder Woman, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, à voir et à revoir celui-là. Ah, oui. Voilà. Donc, ouais, Justice League, il n'est pas encore sorti en DVD, mais celui-là aussi, je ne l'ai pas précommandé, parce qu'il y a eu des rumeurs, pas des rumeurs, j'ai eu un pote, il m'a dit à Lausanne, ils ont fait la projection d'un autre film différent. Sérieux? Oui, parce que sur Justice League, il y a eu deux réalisateurs, il y a eu Joss Whedon et Snyder, parce que Snyder, sa fille s'est suicidée cette année. Je l'avais dit quand on a fait la vidéo. Donc, il a été remplacé. Mais il y a une version qui est sortie, un film, rien qu'avec les scènes filmées par Zack Snyder. D'ailleurs, la fin, elle est différente du film qu'on a vu. Et le film est un peu différent. Parce que dans la bande-annonce, on voyait des scènes qu'on n'a pas vues dans le film. Dû à ce changement-là, mais il paraît que... donc, je n'ai pas encore précommandé le DVD parce que j'attends à ce qu'il y aura... une édition spéciale, on aura la version cinéma et la version director Scott, comme ils le font d'habitude. Mais je l'aurai aussi. Bon, Spider-Man Homecoming, parce qu'on a tous les DVD, on a tous les films Marvel, donc voilà. Il y a un Spider-Man 2 qui va sortir. J'espère qu'il sera meilleur que celui-là. Oui, aussi. Ouais. Sinon, les Gardiens de la Galaxie, je l'ai prêté à un ami, ouais. Mais on l'a en DVD aussi. Thor 3, il n'est pas sorti encore en DVD. Mais quitte à choisir, dans le DC Comics, je préfère Wonder Woman. Ouais. Sinon, moi, dans Marvel, Thor 3, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, je préfère les Gardiens de la Galaxie. Ah ouais? Moi, je... Oui. D'ailleurs... Moi, je préfère Thor. Oui, je sais. Non, moi je préfère, parce qu'il y a beaucoup de monde qui critique les Gardiens de la Galaxie pour leur humour. Moi j'aime bien, bon après sur la bande dessinée je connais pas trop l'univers des Gardiens de la Galaxie, mais Thor 3 c'est l'humour. C'est dans Thor que tu trouvais qu'il y avait de l'humour mal placé? Exactement, que j'ai Thor. Pas aimé, oui. Alors que les Gardiens de la Galaxie c'est la patte de l'univers et le film il était assez bien. Moi j'ai plus aimé les Gardiens de la Galaxie. Dans le Marvel Universe, pour moi cette année c'est les Gardiens de la Galaxie 2.
Bon, Thor 3, je ne l'ai pas en DVD parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on l'aura aussi. Comme ça nous fait la collection Marvel. Ça, c'est bon. Et bien sûr, dans le monde des X-Men, cette année, il n'y a eu que Logan. Mais c'est un plus. C'est un stand-alone. Un stand-alone, ça veut dire. C'est un film un peu. Qui dépend de l'univers, mais indépendant. Donc, que tu le vois ou que tu le vois pas, que tu l'intègres ou que tu l'intègres pas. Il change rien à l'univers des X-Men parce que déjà il se passe dans un futur par rapport aux événements des X-Men qu'on connaît. Ça raconte juste une histoire pour Logan, c'est juste les adieux de Hugh Jackman parce que c'est son dernière fois qu'on le voit dans la peau de Logan. Ce qui fait que si Logan ou Wolverine revient au cinéma, ce sera un autre acteur. Ah ouais, et pourquoi? Parce que, un, il est vieux, je crois qu'il a, il arrive à 50 ans, passé 40, je crois qu'il a plus de 45 ans. Mais alors? Et il va pas passer sa vie à faire des films d'action, il n'en peut plus. Ah, Et en plus, dommage. s'il vient de sortir d'une cure d'un cancer, je sais plus de quoi, Là tu là. changes, ça te change un peu. Il y a l'âge aussi, hein, c'est comme Ben Affleck, peut-être qu'il jouera plus le rôle de Batman dans. Oui, Ben Affleck aussi, il a passé les 40 ans et plus. Il n'a plus la carrure pour faire ce genre de film. Donc voilà, donc un stand-alone, mais que j'ai bien aimé. Malgré que je suis pas fan de scénariste, mais je suis fan de l'acteur et du réalisateur. Voilà. Oui. Pause. Donc on disait, On reste sur les films de super-héros. Là, on passe aux scénarios originaux. donc on a Guardians, les Guardians, gardiens. le film russe. On a fait une vidéo sortie DVD dessus. Il est top celui-là. Oui, moi j'ai adoré. Il Pour un est top film du top. petit budget, Ouais. c'est vrai que les effets spéciaux, la ressemblance aux univers qu'on connaît, mais un film à 6 millions, il était pas mal. Et en plus russe. Et en deuxième, malheureusement le DVD je l'ai pas parce que je l'ai prêté aussi. C'est On l'appelle Jake Robot. Entre les deux, donc. On Mais oublie ça, tous les films de super-héros. Ceux-là, c'est les d'ailleurs, deux films super-héros oui, originaux. mais d'ailleurs, quand on a vu celui-là, on a parlé de Jack Robot, tellement ils nous ont surpris. Oui. Oui, Genre, mais. Toi, tu avais beaucoup comparé aux autres films. Parce qu'il y a pas mal de attends, ressemblances. Qu'est-ce que je disais? Les films originaux. oui. On reste sur les super-héros. Donc, on a. Guardians, un film russe, Et Jack Robot. et Jack Robot, Robot. qui est là. Je l'ai prêté, J'aime je l'ai pas. bien ça qui est là. Qui, Oui, toi? mais bon, mais tout le monde, bon, on a une vidéo sur, on l'appelle Jack Robot, film italien, Un très bon film. un très bon film. Celui-là, c'est un film russe. On l'a pas inclus avec les super-héros parce que. Les super-héros, ça faisait partie des sagas qu'on connaît. Ça, c'est les films originaux de super-héros. Donc, moi, j'ai bien aimé, à part, oui, les effets spéciaux. Pour un petit budget, c'est On peut normal. dire ça fait mal aux yeux, mais il y en a qui sont bien réussis, il y en a qui sont pas bien. Non, ça tape pas vraiment Ça à l'œil ressemble comme beaucoup aux ça. films de super-héros qu'on a l'habitude de voir. Ben non. C'est juste que Marvel, il nous fait 3-4 films par an. DC Comics, jusqu'à présent, ils nous font 2 films par an. Là, à partir de l'année prochaine, ce sera 3 films. Ben, les Russes, ils se sont essayés de faire leur propre film. Moi, j'ai bien aimé. Mais à choisir entre les deux, Jake Robot et celui-là. Ben, je choisirais les deux parce qu'ils m'ont plu tous les deux en fait. Moi aussi, quoique j'ai un petit penchant pour Jake Robot, parce que Jake Robot, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il, Si, non, il n'y a un pas de peu, ouais. numérique. Et Non, il n'y a oui, pas. il Oui, y a c'est du vrai. trucage, mais il n'y a pas du C'est numérique. vrai, ouais. C'est Non, un de ce côté, film, c'est c'est vrai. des effets spéciaux, parce que moi j'ai vu tous les bonus qu'il y avait dans le Blu-ray de Jack Robot. C'est fait à l'ancienne. Ouais, non, de ce côté, Et c'est en vrai. plus, pour un film à moins de 2 millions d'euros, celui-là il a coûté à peu près 5 millions et quelques, presque 6. C'est Jack Robot. Mais j'aime les deux. Dans les films originaux des super-héros, cette année, quitte à le comparer au Marvel et au DC Comics, je classerais ceux-là dans mes préférés parce qu'ils ont l'originalité que les autres n'ont pas.
Parce que DC Comics et Marvel, ils ont des budgets à 200 millions de dollars, des acteurs connus, des réalisateurs, machin. Ceux-là, non. Donc, voilà. Et Jack Robo. Si jamais sur Jack Robo et Guardians, on a une vidéo sortie DVD qu'on avait fait il n'y a pas longtemps. Les histoires Alors, on va vraies. Dunkerque. Ah Ouais. oui. Inspiré d'une histoire vraie, il a beaucoup été critiqué. Nous, on a aimé. Réalisé par Nolan. Un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Tout à Tout est fait. fait presque par l'image. C'est Exactement. l'image qui parle d'elle-même. Je connaissais pas cette histoire-là durant la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai découverte dans le film. Et je trouve que le film transmet bien l'angoisse qu'il y avait sur la plage. Maintenant que je l'ai revu. Parce que j'ai vu des critiques, il y a des gens qui disent, ah mais il n'a pas parlé des Français, des Belges, etc. Mais si on fait gaffe dans le film, sur le quand ils vont vers le bateau là, sur le ponton, on les voit refouler les Français. Parce que les bateaux étaient censés pour ramener les Anglais chez eux. Donc ils refoulaient les Français pour les laisser en France. Et à la fin du film, le général, il reste sur la plage. Parce qu'il lui dit oui, maintenant on a sauvé les Anglais, mais il y a encore les Français qui doivent se battre. Donc, non, je trouve que j'ai bien aimé, j'avais aimé. Si vous pouvez voir notre vidéo sur Dunkerque, sortie cinéma, on sort du cinéma. J'ai pas changé d'avis, j'aime bien. Et sur les histoires vraies, le deuxième film de Les cette figures année, de l'ombre. Une voilà. très très belle histoire aussi. Exactement. Deux histoires qu'on a découvertes cette année, qu'on connaissait pas. Ouais, les figures de l'ombre, on a une vidéo aussi sortie en DVD qui est sur la chaîne. Une belle histoire émouvante, Très très belle histoire. bien racontée, bien filmée, bien réalisée. À l'inverse, Nolan, c'est qui l'a réalisé celui-là? Maintenant j'ai un blanc pour les figures de l'ombre. Hidden Figures, c'est qui le réalisateur? J'ai oublié. Ah, j'ai oublié le réalisateur. Non, c'est pas Un grave. réalisateur pas très connu versus Nolan, je préfère. Moi, pour moi, c'est Les Figures de l'Ombre. C'est un film quand même qui a failli me tirer la larme. Non, là, c'est le résumé du film. Non, on n'a pas le temps. Ah ouais, c'est écrit quelque part ici, le réalisateur. Et Bon, c'est trop c'est petit, trop j'ai de la grand. peine à lire. Bon, Et écoute. toi, entre les deux, qui t'as choisir? Le top? Moi, c'est, on peut On pas a vu que deux choisir parce films. que Cette année, les c'est films deux inspirés histoires d'histoires vraies. différentes. Deux histoires différentes. En plus, elles sont inspirées de faits réels. Donc, Réel. Et on a découvert les voilà. événements qu'on ne connaissait pas, Voilà, des faits donc, réels qu'on ne connaissait pas. Mes points de j'opterai pour les deux, vue moi. émotionnels, j'aime bien les deux, oui. Pareil. Donc, bah, la preuve, on a acheté les DVD pour les deux. Voilà. Sinon, histoire vraie, je crois, cette année, c'était les seuls. Oui, on avait vu Gold aussi. Matthew Non, McConaughey, celui-là, toi je... tu n'as pas aimé, c'est pour ça que j'ai hésité à me l'acheter. J'attendrai un jour où je le trouverai Non, pas cher. celui-là, j'ai dormi carrément. Moi j'ai aimé. C'était l'un, je crois, le deuxième ou troisième Oui. film qu'on a été voir au cinéma depuis qu'on fait la chaîne. On a une vidéo dessus, Gold, avec Non, Matthew j'ai pas McConaughey. aimé du tout. Moi c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, j'attends qu'il soit moins cher. Mais sinon, cela. Voilà. Donc, ouais, allez, on va prendre les deux autres là, qu'on va appeler les histoires d'amour d'adolescents. Alors, il y a déjà un film d'animation. Oui, que tu n'as toujours pas vu. Ouais, tu m'as pas montré déjà. Si, t'as pas voulu le voir. Oui, je Hein, fais t'ai... pas semblant, Non, 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 je t'ai trouvé en train de le regarder hein. tout Parce que tu seul. voulais pas le voir, t'aimes pas les dessins animés. C'est un En plus, j'aime manga, c'est un pas. dessin animé japonais, Your Name. Alors. Ah, le film est sorti le 28 décembre l'année passée en France, au cinéma. Ici en Suisse, il n'est presque pas passé. Mais le DVD est sorti en 2017. C'est pour ça que je l'ai inclus dans notre liste 2017. C'est l'histoire de deux personnages, une fille, un garçon. Il va leur arriver quelque chose. Ils ne savent pas quand. Un jour, ils se réveillent. Le garçon est dans le corps de la fille est dans le corps du garçon. C'est tout ce que je peux dire. Une belle D'accord. histoire,
Je vais pas le dire. Ah, il y a eu déjà un film comme ça. Hein? Oui. Sandra Bullock, ça ressemble à un film avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Une belle fin. Et ce qui est bien, le film, il s'appelle Your Name. Parce que quand ils se réveillent le lendemain dans leur propre corps, ils savent qu'ils ont eu une expérience Hallucinante. bizarre. Ils pensaient que c'était un rêve. Ils ne se rappellent jamais du prénom, du nom de l'autre. Sans spoiler. Il faut que tu le regardes. Je sais que tu n'aimes pas les Ben dessins animés, c'est pour ça que moi je l'ai vu tout seul. Mais il faut que tu le regardes. Il est top. Et bien sûr, ils vont s'aimer sans jamais se rencontrer parce que chacun connaît l'autre sans vraiment le connaître. Un bon film. Moi j'ai bien aimé. Et je ne peux pas en dire plus parce que si on vous spoile le truc, ça vous pourrit le. Ça, c'est le genre de film où il ne faut pas être spoilé. C'est Your Name, c'est un manga japonais sorti le 28 décembre l'année passée au Attends. cinéma. Le DVD, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je crois que je l'ai acheté en février ou en mars. Et le deuxième, c'est une histoire aussi romantique qu'on a été voir au Everything. cinéma. C'est Everything, Everything. Everything. On a été, comme par hasard, Oui, c'est un des pour films le qui n'était pas voir. sur On notre liste. s'ennuyait à la Il maison, pleuvait. voilà. Et on Donc s'est on dit, ouais, a, allez, pourquoi pas, on va aller voir ce qu'on a et juste parce qu'on a vu si cette jamais, affiche. voilà. On s'est dit, ça a l'air d'être mignon, les acteurs sont beaux. Ben, en fin de compte, le film, il est beau. Oui, je l'ai en DVD parce que j'ai pas la version Blu-ray. Ici en Suisse, elle est qu'en allemand. Oui, donc il n'y a pas de VO. Il n'y a pas de VF. Ouais. Il n'y a que la version allemande. La seule version française, c'est le DVD. Que dire sur le film? On a fait une vidéo dessus. On a été le voir au cinéma. Everything, Everything, une histoire d'adolescent. Voilà, donc on classe ça dans les histoires d'amour d'adolescents. D'ailleurs, des histoires d'amour, on n'en a pas vu beaucoup, hein. Ouais. Ah oui, le film de Marie-Francine. Tu l'as pas acheté celui-là. Maintenant que j'ai. Parce que, bah, avec le recul, c'était une belle histoire, une comédie, mais pas plus. Peut-être que je le prendrai un jour quand il sera pas cher. Ouais. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien les deux, que ce soit Valérie Le Mercier ou Patrick Timsit. Mais les films qui nous ont vraiment marqués, moi que je voulais voir, et celui-là qu'on a envie de voir et de revoir. Parce que celui-là, c'est plus moi tout seul qui l'ai acheté. C'est moi qui aime les dessins animés et les Voilà, mangas. exactement. Je crois que c'est le seul film d'animation que j'ai acheté cette année. Ils sont plus chers que ça. Voilà. Oui, pause. Les films de voiture. Donc, en premier lieu, on a déjà Fast and Furious, 8. Oui, alors, si on compte sur la liste, il y avait Fast and Furious, il y avait Cars 3. Car tu l'as vu, hein? Oui. C'est celui-là que j'ai pas été voir. Oui. C'est Cars. Et il y avait. Quel film avec les voitures? Toc, 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 toc. Donc on a Baby Driver Et aussi. Baby Driver, mais il n'était pas sur notre liste. Baby Driver, Hitman, Regen Negad, si on ne l'a pas vu. Ouais, donc, on revient. Les films de voiture, on avait commencé avec Fast and Furious sur notre chaîne, d'ailleurs, c'est notre premier film. Exactement, en avril. Après, il y a eu Cars 3 au cinéma cette année. On a voulu voir Overdrive. Il n'était pas sur notre liste, mais on avait vu l'affiche, le film avec le fils à Clint Eastwood. C'est pour ça que je voulais le voir. Je t'ai dit, c'est le fils à Clint Eastwood. Ouais, tu l'as vu Overdrive. hier. Non, non, Tu l'as déjà non. regardé hier. Non, 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 on ne l'a toujours pas vu. Mais ils ont passé hier une bande-annonce. Je t'ai dit, Ah c'est oui, le fils à Clint voilà, Eastwood. Ou c'était avec son ça qui frère, ils volent des manquait. voitures. Mon Hitman Bodyguard, on peut leur ajouter les voitures dedans. Et Baby Driver. Et nous avons. Bien sûr. Donc, Fast and Furious 8, Ouais. une pure merveille. Parce qu'on aime bien. On Et adore. sur le pneu ici, on a tous les Fast and Furious Ça jusqu'au se voit pas. 6. Hop. Oula, je viens de casser la gueule. Ben, sinon, tu laisses. Ouais. J'ai le coffret Fast and Furious. Il y a un pneu. Il y a les 6 films dedans.
Et le 7, il est dans la bibliothèque. Donc automatiquement, quand le 8 est sorti, bah, on a été le voir. Et ça a un bon divertissement, les Fast and Furious. Non, moi j'adore. Ouais. Il y a de l'action, il y a de la Du premier au comédie. dernier, franchement, jamais déçu. Moi, j'aime bien les trois premiers. Point de vue scénaristique, je préfère les trois premiers, Non, le 1, c'est le toujours 2 et le comme ça. 3. C'est toujours les deux, trois premiers sont Voilà. magnifiques. À Puis partir du après. 4, on voit qu'il y a la surenchère de l'action, Voilà, mais j'aime exactement. toujours. Et on aime bien, c'est un bon divertissement. L'année prochaine, il y aura le 9 qui va sortir. Ce sera toujours au mois d'avril. Parce que le 8, c'est le premier épisode d'une trilogie. Donc il y aura 8, 9, 10. Ok. Oui, parce qu'avec la blonde. Oui, l'autre. Comment elle s'appelle? Celle qui jouait dans Furiosa, dans Mad Max, Theron. Ils ne l'ont pas capturée dans le 2. Elle va rester encore. Oui, Charlize Theron. Voilà. Ouais, Charlize défaut de Theron. prononciation. Bon, Et bref. le deuxième. Et le deuxième, c'est Baby Driver. Celui-là, je le déteste. Non, Bon, tu l'as pas côté fini. film, j'adore. Mais côté souvenir, je le déteste. Tu Oui. te rappelles? Bon, Oui. c'est ici entre nous, hein. Non, je Tu vais te pas rappelles? couper. Donc, soit tu le dis, non, mais je vais mettre. Tu te rappelles? Le jour où tu Oui, m'as t'as été réveillé à dormir. 3h du Oui, matin. parce que je voulais le finir et toi, Mais tu le t'as. finis, mais tu le finis pas à 3h du Non, matin c'est un film, il a une avec le bande son. volume, Il a avec une le bande volume à fond. son. Non, j'ai pas mis le volume à fond. Il a une bande C'est son. franchement, c'est pour Oui. ça que j'arrive plus C'est un à. film Je suis audio. vraiment C'est un à. film audio. Tu me le passes? Donc. On disait qu'on a vu Fast and Furious pour les films de voiture et Baby Baby Driver. Driver. Voilà. Ouais, Fast and Furious. Oh non. Celui-là, on C'est l'a Fast déjà and vu au Furious. cinéma, on ne l'a C'est. pas revu à la maison. Hein. Non, on ne l'a pas encore Non, pas revu. Par encore vu. contre, celui-là, c'est directement Oui, on n'a pas sur pu le DVD. voir On ne l'a au pas. cinéma. On a été le voir. Je l'ai direct Déjà, Bull n'y pris. était pas. Non, il n'est pas passé. Il y avait Overdrive à l'époque. Voilà, donc Et c'est pour ça Overdrive, qu'on on l'a n'a pas pu raté. le voir. Et puis, on n'avait pas le temps, donc. Avec nos plannings, on n'a Pas pas toujours pu. évident. Mais Baby Driver, moi j'ai bien aimé. Malheureusement, il est beaucoup critiqué. Moi j'ai bien aimé. Moi, j'ai C'est adoré. vrai que du point de vue scénaristique, le film il apporte rien de nouveau. C'est un gars C'est-à-dire. qui fait des braquages. Il engage une équipe. Il a un chauffeur, Baby. En C'est pour ça que le quoi? film. Ah oui, d'accord. Ouais, il s'appelle Baby Driver. Parce que Baby, c'est le nom de code du chauffeur. Ils ne donnent pas leur nom. Donc, ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à Reservoir Dogs. Tarantino, c'est le premier film où les gens font des braquages, mais ils ne donnent pas leur vrai nom. Ils s'appellent. Dans Reservoir Dogs, ils ont des couleurs. Il y a Mr. Blue, Mr. Pink, etc. Comme ça, personne ne connaît leur nom. Comme on retrouve ça dans La Casa de Papel, la série espagnole qu'on a vue, ils ont des noms de villes. Donc, rien d'original. Comme par hasard, Baby Driver doit une somme d'argent au mec. Il se dit, je vais faire mon dernier braquage pour le rembourser. Comme dans tous les films. À chaque fois qu'ils se disent, ouais, c'est mon dernier, t'es sûr que c'est là que ça va merder le plus. Exactement. Donc, question originalité scénaristique, il n'y a rien. D'ailleurs, le film, il m'a fait penser à Hudson Hawk aussi. Le film avec. C'est un vieux film avec Bruce Willis. Bruce Willis, dans le film, il fait des braquages. Comme il connaît le rythme des gardiens. Il sait à quel temps ils font pour faire leur ronde. Il chante des chansons qui durent le même temps. Et on retrouve ça dans la façon de faire de Baby. Quand ils vont faire un braquage, il met sa musique. J'adore. Comme par hasard, dès qu'il fuit, il démarre sa musique. Il sème les flics, ils arrivent à l'endroit, la musique se termine. Donc il choisit sa chanson qui. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est la bande son, c'est la bande audio, la musique. C'est un J'ai film adoré rythmé. aussi. Ouais. Est-ce que c'est un film rythmé par la musique ou c'est la musique qui est rythmée par le film? Mais les scènes d'action suivent la musique. Tout ce qui se passe dans le film, il suit est au Ouais, rythme de la musique. moi c'est ce qui m'a plu le plus dans le Oui, film. c'est dommage que tu n'as pas vu la J'ai fin. pas fini le film, je n'ai vu que la Après, moitié. il y avait aussi une particularité parce que Baby, il a des acouphènes. C'est pour ça qu'il a toujours des écouteurs. Voilà. D'ailleurs, il y a pas mal de running gags avec les lunettes et les MP3 parce qu'il a toujours un MP3 dans sa poche.
Et il porte toujours des lunettes de soleil. Il y a pas mal la blague avec les lunettes. C'est le même gag, sans en entrer en dire, c'est assez drôle. Il y a Kevin Spacey, il y a Jamie Foxx dans le film. Le film, il fait penser à Heat. Ceux qui connaissent le film, Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Donc, question scénario, le film, il n'a rien d'original. Mais moi, pour la bande-son, pour la musique, j'ai bien aimé. J'ai jamais vu un film aussi rythmé que ça. Pareil. Il y avait, par exemple, le roi Arthur. Quand on l'a vu au cinéma, j'ai dit que la musique était un personnage dans le film. Celui-là, franchement, la musique, elle fait partie du film. Donc, Baby Driver, Fast and Furious. Fast and Furious, j'ai la collection. Baby Driver, j'ai bien aimé. Overdrive, malheureusement, on ne l'a pas vu. On expliquera plus tard pourquoi on a raté certains films cette année, et pourquoi on a eu un chamboulement dans notre planning aussi pour cette année. Donc voilà, ça c'est les films action-voiture.